Jusqu'ici, on a toujours parlé de la liberté sur un air de marche avec des cuivres et des tambours. Pour varier un peu, j'ai écrit une chanson sur la liberté sur un air de Java. Étrange histoire que je vais vous raconter, celle d'un brave homme qui aimait la liberté. Il aimait trop cet homme et vous allez voir comme la liberté c'est dur à digérer. La liberté c'est dur à digérer. Et comme il vivait depuis près de 35 ans avec sa femme, sa mère et 5 enfants, voilà qu'un soir cet homme il en eut marre en somme et il partit avec sa brosse à dents. Et il partit avec sa brosse à dents. Sa femme le soir en rentrant au logis, qu'est-ce qu'elle trouva de dessus sa table de nuit? Ce petit mot pour Bobonne, adieu, je m'en vais vivre comme un petit oiseau qui est trop grand pour son nid. Un petit oiseau qui est trop grand pour son nid. Il vécut libre alors comme un oiseau, comme il aimait picorer et l'apéro. Au bout de 8 jours, cet homme, il était fauché comme les gars qu'on voit sortir des casinos. Les gars qu'on voit sortir des casinos. Un an plus tard, il couchait sous les ponts, vêtu d'un sac et se nourrissant d'oignons. Mais malgré ça, cet homme trouvait la vie si bonne qu'il ne regrettait pas du tout sa maison. Qu'il ne regrettait pas du tout sa maison. 15 jours plus tard, c'est un vrai coup de guignon. Il se fit piquer, en train de piquer le pognon, d'un monsieur, oh le pauvre homme, qui était bâti tout comme les grandes armoires du beau pays breton. Les grandes armoires du beau pays breton. Quand il sortit des mains de ce monsieur, un bras cassé et le nez à gauche des yeux, la tête grosse comme une pomme, il se disait cet homme, à la maison c'était bien moins dangereux. À la maison c'était bien moins dangereux. Pendant 3 mois, il eut tellement d'ennuis, rien que d'y penser, j'en ai une boule ici. Je rentre, qui se dit cet homme, à la maison tout comme on s'y attendait depuis le début de ce récit. On s'y attendait depuis le début de ce récit. 3 semaines après qu'il eut remménagé, v'là qu'un matin et zoup, il a refilé. Parce que voyez-vous, cet homme, il se disait qu'en somme, la liberté c'est dur à digérer. Mais vaut mieux se rendre malade que de s'en priver. Mais vaut mieux se rendre malade que de s'en priver.